Alors, j'en suis maintenant à faire un récapitulatif sur le deck. Dans le fond, c'est une petite idée qui m'est venue, là. Je trouve ça toujours dommage dans les drafts, des fois, qu'il n'y a pas un sommaire, des commentaires, une petite analyse ou quelque chose. Donc, j'ai décidé que j'essaierais de faire ça puis voir ce que ça donne. Alors, premièrement, je vais te dire tout de suite parce que j'ai regardé mes vidéos avant de faire ça. Désolé si je me frustre parfois, ça arrive. Ceux qui me connaissent et qui ont joué avec moi en vrai le savent. Je fais pas exprès. Effectivement, le match 2 a été particulièrement frustrant. Parce que je trouvais. Bon, je reviendrai pas trop là-dessus. J'ai trouvé l'exercice très intéressant, par contre. Comme j'ai dit au début, là, c'est la première fois que je fais une vidéo avec ça. C'est intéressant de mon point de vue de faire l'exercice parce que je regarde les vidéos pour faire des commentaires que je suis en train de faire présentement. Puis ça me permet de voir mes erreurs. C'est quand même un point de vue intéressant de revoir ces erreurs après la partie. Et aussi, ça me permet d'avoir remarqué, entre autres, que j'ai bien chialé sur ma malchance, mais c'est drôle comment la chance l'a balancé. En le regardant d'un point de vue objectif, je me rends compte qu'effectivement, j'ai été aussi assez chanceux, puis je suis pas mal sûr qu'il y a un de mes adversaires qui était assez frustré à la fin de la game, parce que j'ai top decké ma victoire. Donc, il y a bonne chance que je continue de faire des vidéos juste pour ça. C'est déjà amplement de raison, parce que ça me permet de retravailler sur mes parties, ça me donne une motivation de faire l'effort, de re-regarder mes matchs que j'ai enregistrés pour voir ce que ça a donné. Donc, maintenant au sujet du draft. J'ai regardé un peu et grosso modo, dans le deck que j'ai monté, je dirais que ce que je remarque que je pense que j'aurais pu faire différent, évidemment, on verra s'il y en a qui décident de laisser des commentaires, je verrai ce que le monde en pense, ou vous pouvez m'en parler quand on va se rencontrer. Pack 2, pick 2. J'ai pris le larva, le long larva, cette créature-là ici. Et je dois avouer que c'est pas qu'elle était moche, mais j'ai pas trouvé que c'était particulièrement impressionnant. Il y a un pack où ce que j'ai dans ce pack-là, au pick 2, j'aurais pu prendre un raptor, ça ici. Et je crois que ça aurait été un meilleur pick. Malgré le fait que c'était pas parfait sur la curve, après ça j'aurais fallu que je me reconcentre plus en bas. Mais c'est une carte qui a beaucoup plus d'impact. Ensuite de ça, pack 3, pick 3, j'ai même hésité, je l'ai mentionné dans les commentaires, quand j'étais en train de commenter le draft. J'aurais dû prendre le Smite the Monstrous, j'ai pris un Undo Great Horn à la place, qui n'a pas été mauvais. Il y a des parties où est-ce que le Undo a été excellent, mais je pense à d'autres parties où est-ce qu'il y avait des créatures à 4 de power dans mes jambes qui me causaient bien des problèmes. Un removal de plus, ça aurait probablement été la bonne décision. Et finalement, l'autre pick que je remets en question, c'est dans le pack 3 au pick 9. Je crois que j'aurais dû prendre le Orin Reef, la 2-2 qui peut utiliser 8 mana pour se pomper à une 7-7. Parce que justement, ça aurait aidé ma curve. Ça aurait été probablement meilleur dans le deck. Sinon. Ben évidemment, je me répète, je remarque qu'il y avait des erreurs au niveau dans le niveau du jeu, c'était pas effrayant, là. Il y a des choses qui étaient attribuables là-dedans au fait que je faisais des commentaires, donc c'est quelque chose évidemment que, à force de faire des vidéos, ça va se pratiquer. Parce que là, il faut que je pense à garder ça intéressant, essayer de toujours être en train de parler, parce que, ou en tout cas relativement, parce que sinon ça devient rapidement endormant, je sais, je regarde moi-même des vidéos. Faire attention à ce que je dis. Essayer de. Tous ces détails-là, c'est niaiseux, mais je me rends compte qu'effectivement, ça vient déconcentrant. Donc, je vais essayer d'améliorer ça dans les vidéos subséquentes. Ensuite de ça, match. À propos des matchs, je me suis dit que je ferais un petit peu un retour sur les matchs, des petits commentaires. Dans le match 1, la deuxième partie, j'ai manqué carrément. Il y en a probablement qui l'ont remarqué en écoutant la vidéo, le fait que le troll peut sacrifier une créature. J'étais fixé sur le fait que ça pouvait sacrifier une land. Et bien que la vigilance du Mackenzie Patrol, cette carte-là ici, bien que ça ait été très pertinent de le laisser, mais si vous vous en rappelez, c'est que la créature était tapée puis il y avait un Containment Membrane dessus. Je me suis servi de vigilance, ça a été pertinent dans la partie. Mais ça aurait probablement été plus simple de dire Harvester Troll, sacrifie la créature. Hein, ça dit bien créature. Et j'aurais pu avoir ma 4-5 sans sacrifier de land, puis lui il faisait plus grand-chose de toute manière. Donc ça a été une erreur. Évidemment, j'ai été extrêmement chanceux. C'est une des parties où j'ai top decké ma victoire parce que j'ai top decké un Blade Whirl et ça a pas mal changé la game. En fait, même 30 secondes avant, j'avais dit bon, je vois pas vraiment ce que je peux top decké, je pense que je perds. Et c'était exactement la carte qu'il me fallait. Ensuite de ce match 2. Dans la première partie, au tour 9,
c'est assez précis. Je me suis rendu compte que j'aurais dû donner le compteur au Lorm Larva au lieu de le donner au troll, parce que le Lorm Larva à ce moment-là était 1, 2, 4, et en faisant 3, 5, j'aurais pu attaquer, puis mon adversaire avait des bloqueurs, beaucoup de bloqueurs qui avaient 3 de power. Donc là, je l'avais gardé en bloqueur, mais ça aurait été plus pertinent sur lui parce que ça aurait fait un attaquant de plus qui devait être bloqué, mais ou qui faisait du dommage à la limite, mais qui, s'il était bloqué, tuait quelque chose. Donc je pense que là, ça aurait été le bon choix. Malgré ça, je pense que j'aurais quand même perdu la partie. Là, le Myers Malice de mon adversaire qui a flushé ma main extraordinaire d'un. Il y avait un Beastmaster dans la main, je crois. Oui, il y avait le Beastmaster et je pense le Pathwarden. Ça a été. Ça m'a carrément brisé dans cette game-là. C'est un bon play de sa part. Et ensuite de ça, dans la deuxième partie, j'ai remarqué que j'ai critiqué beaucoup. Bon, j'ai critiqué le deck de mon adversaire et ça, j'en démarre juste à moitié. Il a pas avoir gagné. Je trouve que c'est un petit peu un brew de bonne carte sans synergie, mais en tout cas. Non, j'ai critiqué le manque d'attaque de mon adversaire dans les deux derniers tours parce que je disais, bon, il attaque pas, que c'est qu'il fait, il me troll-tu, il niaise-tu. Mais finalement, j'ai regardé sa dernière attaque, la toute dernière, où est-ce qu'il m'a tué. Puis si j'avais eu un Dazzling Reflection en main. Dazzling Refraction, qui est une carte qui permet de gagner autant de vie que la créature qu'on cible et en plus de prévenir son dommage. J'aurais pu le faire sur son Eldrazi 5-5, bloqué d'une manière différente et ça aurait probablement eu un gros impact sur la partie. Je sais pas si je l'aurais gagné, mais c'était effectivement quelque chose à considérer. Fait que si c'est ça qu'il avait vu, puis c'est pour ça qu'il hésitait d'attaquer, ben félicitations, bon play. Sinon, c'était effectivement un peu timide comme attaque. Dans cette même partie-là, au tour 10, j'aurais dû donner les compteurs du support quand j'ai fait mon support aux créatures qui avaient trop de power. Pour une raison très simple, et c'était un manque vraiment stupide de ma part. J'avais deux créatures qui avaient trop de power en jeu. Et en leur donnant des compteurs, ce serait devenu les 4-4, mais j'avais aussi le Tajiru Beastmaster. Et mon adversaire avait des bloqueurs à 5. Un bloqueur à 5. L'idée aurait été de dire je les monte à 4 et dès que je pogne un ally, mes attaques, j'ai un paquet d'attaquants à 5. Il n'y a plus le choix de bloquer. Il n'y a plus de bon bloc où est-ce qu'il va tuer ma créature impunément avec son 5-5 puis réduire mon board. Donc ça aurait dû être le play. Sinon, dans l'ensemble, je dirais que j'irais regarder le draft, puis dans le premier pack, je l'ai même commenté, je disais, ah, un War Cleric, ah, une autre créature. Dans les premiers packs, j'ai vu beaucoup de créatures du deck d'Ally, le deck d'ailleurs contre lequel je me suis battu à la fin. Et ça m'a assez impressionné que je pense que j'aurais dû plus le considérer. Je dis pas que j'aurais dû nécessairement aller dans le deck ou essayer d'aller dans le deck blanc-noir d'Ally, mais j'aurais probablement dû plus le considérer parce que le deck était effectivement fort et War Cleric est particulièrement impressionnant dans ce deck-là. Ouais, j'ai trouvé ça bien impressionnant. Et effectivement, comme je l'ai dit à la fin de ma troisième partie, je pense que la curve est trop haute ici. Je pense que, entre autres, le Ghostly Sentinel, qui est pas de mauvaise créature, mais qui n'est pas la meilleure du deck. Le troll, bon, j'ai voulu l'essayer, mais tout de même. Et le Great Horn, ça aurait pu être ben, soit Expedition Raptor dans son cas, ou des créatures plus rapides, parce que, comme on l'a vu dans la première partie, je crois, à la fin, il me restait 3 minutes, 3-4 minutes, puis j'ai écrasé mon adversaire. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas pigé super bien parce qu'il a manqué de mana, mais la main était explosive, elle était rapide et c'était très bon. Donc j'aurais probablement voulu un petit peu plus de créatures dans le début de ma curve à 2 à 3. Alors, ben, c'est pas mal ça. J'espère que vous appréciez. J'espère que ça va intéresser des gens, parce que moi, j'ai l'intention de continuer à faire des vidéos. Donc, à une prochaine fois.